Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Nous sommes accueillis par le monstre sous le lit d'Anaïs, qui, elle, préfère pleurer de toute son âme. Pas parce qu'elle a peur du monstre, mais parce qu'elle a perdu sa mamie. La mamie du côté de Lionel, qui est décédé donc à la fin de l'épisode précédent. On passera outre aussi le beau bug que nous avons hein, avec les colonnes, grâce à la mise à jour, les colonnes elles sont cassées. Bon, et ben petite Anaïs, après avoir pleuré, tu feras ta sieste et puis on passera à la journée normale. Et ici vous pouvez voir notre petite Laura qui a été relookée. Oui, elle a les cheveux un peu courts. Ça change, voilà, des cheveux très longs. Mais encore, ça va, ils sont un peu longs quand même. Oh mon petit Liolio, tu es triste tout net, hein. Allez, tu vas pleurer aussi. Bah ouais, en plus de ça, c'est la dernière journée de vacances pour la famille. T'iras prendre un petit bain de mousse, après ça te fera du bien au moral. Donc dernière journée, dans la maison. Je pense qu'à la fin de la journée d'ailleurs, on sera retourné à Newcrest. Et puis en plus de ça, je n'ai pas la joie dans mon cœur, puisque Eva va fêter son anniversaire et les années 2000 vont arriver. Malheureusement, on va dire, il faut bien y passer. Hein. Ouais, c'est cool, c'est la tristesse dans toute la famille, quoi. Ça craint, même Malélène, elle est tristoune. Bon, elle a perdu sa belle-mère. Ça lui va tellement bien, cette petite chemise. T'es magnifique, Malélène. Oui, bon, tu sais pas où aller, mais t'es belle quand même. Allez, il faut pas se désespérer, quoi. Il fait beau dehors, ces derniers jours à la mer, on en profite. Hein. Oh bah ça va, il a l'air d'être s'en être remis Lionel. Lionel et Hélène, ils vont d'un seul coup, ils vont beaucoup mieux, tu sais. C'est pas du tout logique, du coup ils vont remonter le moral des filles. Voilà. Ah, et vous pouvez voir la jolie Laura qui a été relookée. Regardez comme elle est jolie. Elle est mignonne, bon là elle fait un peu la tête, mais c'est pas grave. En tout cas j'aime bien sa petite coupe de cheveux, ça lui va super bien. Et voilà, ça fait du bien aussi de changer la coupe de cheveux, du long. Voilà, c'est la fête et tout. Ouais, vas-y, souris ma belle. Montre que t'es jolie. Eh, belle, hein. Ah là là, les gènes d'Hélène, ils sont bien là. Hein. Bon, allez. Ouais, tu veux nettoyer, c'est cool. Mais vous allez faire un peu de nage, les enfants, là. Allez, nager ensemble dans l'océan. Hein, on se met tous un peu là au sport aujourd'hui. Elle est trop belle, Laura. Elle est trop belle, Laura. Regardez. Alors, du coup, je vais quand même garder... Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais quand même garder le petit haut. Vous savez, elle avait ça par défaut et tout. Et je lui ai mis une petite culotte de maillot de bain. Enfin, bref, c'est tout mignon. Ça lui va plutôt pas mal. Oh, regardez. Elle avait pris des couleurs. Ah, les traces de bronzage. Non, c'est trop drôle. C'est trop bien foutu. D'ailleurs, tout le monde va aller à la nage. Puis après, tout le monde va aller se prendre du soleil aussi quand ils pourront. Bah, peut-être pas Eva parce qu'elle en a déjà assez pris. Oh, mais Esther, bah, va aux toilettes, Esther, qu'est-ce que je te dise. Ah, il y a ta soeur qui y est. Eva, tu vas y nager aussi un petit peu. Allez, nager dans l'océan. Hélène aussi, hein, tu vas pouvoir y aller. Tout le monde va y aller. Allez, nager dans l'océan, c'est fait du bien pour tout le monde. Et la petite Anaïs, quand elle aura fini de manger, c'est la même chose. Elle ira nager aussi. Ah, attendez, hop là. Nager dans l'océan, voilà. Allez Anaïs, tout va bien se passer. Et hop là, Lionel, il va se dire, allez moi, je me fais bronzer. Comme ça, tranquillou bilou. Hein. Les doigts de pied en éventail, la vie est belle haute quand même. Je tourne sur ma bouée. Ouais, je t'ai vu quand toi-même tu sais. Oh, les beaux gosses. Ouais, il a droit de profiter aussi, le petit, hein, quand même. Oh! 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 L'Hélène! Elle est toute bleue, l'Hélène. Remonte. Remonte, ma belle. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ah, c'est bon. Tu me fais peur, ma biche. Ah, ma pauvre, tu m'as fait trop peur. On va te faire bronzer aussi, hein, tant qu'à faire. Normalement, ta deuxième tenue pour te faire bronzer. C'est parfait. Eh bien, tu vas aller te détendre à l'étage. Tu vas te faire détendre ici, se faire bronzer. Ah, bah, tu es toute nue. Allez,
Comme ça, t'auras un truc impeccable. Est-ce que lui, ça va? Ça va. Je vais le laisser encore un petit peu bronzer. Je veux qu'il ait un joli bronzage quand même. Pour un rouquin, pourquoi pas. Alors, Lionel, est-ce que tu as pris des couleurs? Tu peux aller faire un... Voilà, tu peux aller nager un petit peu. Je sais pas si t'as... il a pris. Bon, là, il a la tristesse, donc il va aller nager tout en étant triste, mais bon. Et l'Hélène? Oh, l'Hélène! Oh là là, l'Hélène, elle se fait. Voilà. Elle se fait bronzeter. La foufoune a l'air, hein, tranquille. Hein, encore plus tranquille que notre petit Lionel. Regardez, elle fait. Il n'y a personne, il n'y a personne. Hein, non, non, je suis bien à Walpé, sur le balcon, face à la mer et face à ton père. En tout cas, la foufoune a l'air, ça c'est sûr. Bon, allez, ma Hélène. Tu stoppes de te faire bronzer toute nue. Tu vas te rhabiller. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on va aller ensuite. Vas-y, on va voir si t'as bronzé. Je suis pas sûre qu'elle ait pris de la couleur. C'est nul. C'est pas grave, tu vas aller faire à manger. On va servir le petit-déj, enfin le déjeuner. Faux sandwich BLT, oui, comme ça, c'est facile à faire. Il est parti faire quoi, lui? Ah! Bah écoute, tu peux conduire ici. Hein, avec ton truc, là. Voilà. Tu vas pouvoir faire le kéké. Se promener sur l'Aquazip. Vas-y. Fais le kéké pour la dernière fois. Parce que je suis pas sûre que si un jour on retourne à Solani, tu sois encore en vie. Mon pauvre. Oups! Je crois que la pauvre, elle a cramé au soleil. Oh, ma pauvre. Je suis désolée. Je sais pas si tu... En prenant une douche, ça peut t'améliorer. Tu vas prendre une douche tonifiante. Mets-toi de la crème, surtout, ma pauvre. Ma petite Laure, elle est toute cramée. Oh, je suis désolée, ma belle. Oh, la pauvre. Je suis en train de les regarder, les filles, là. Elles sont trop mignonnes, elles mangeaient tout. Et t'as Lionel qui fait le kéké derrière sur son truc qui passe. Oh, c'est complètement débile. Vas-y, reviens. Mais c'est pas drôle si je parle de toi et que tu passes pas, Lionel. Ah bah non, il a arrêté! Oh, la tristesse! Ça aurait été tellement drôle de le voir passer, mais bon. C'est pas grave. Alors, ma pauvre Laura! Oh, la vache! La pauvre, elle est cramée! Oh, ma biche! Si tu veux, tu peux faire tes devoirs. Oui, t'avais l'air de vouloir faire tes devoirs. D'ailleurs, tout le monde va faire ses devoirs parce que demain, c'est le retour à l'école. Donc, voilà, il va falloir, hein. La lumière à l'extérieur, elle est juste magnifique. Oh là là. Ouais, ça sent la fin des vacances là, hein, 18h. Tranquillement, les enfants. On va rentrer après à Newcrest. Je sais, c'est la tristesse. Il faudra dire adieu à Soulani, en tout cas, pour cette fois-ci. Et peut-être qu'elles reviendront, au moins peut-être les sœurs, hein, une des filles. On verra bien dans le futur, en tout cas pour l'instant. Ce n'est pas prévu au programme, quoi. Voilà. Mais le prochain été semble loin déjà. Ouais, allez. Tout le monde a fini ses devoirs. Eh bien, nous allons rentrer à Newcrest. Parce que là, il va se faire 20h. Et puis, bah. Un petit bisou, les amoureux. Mais oui, mais oui. La fête n'est pas finie. Allez, caressez la joue. Tant qu'à faire. Ces vacances ont été très sympathiques en famille. Le mariage, la jungle et tout le tralala, c'était bien sympa. Et maintenant, trêve de galijade, on rentre à la maison. Zouf! Oh, cette blague! Elle vient d'être promue, l'Hélène. La grosse vanne, quoi. J'ai rien fait, elle n'était pas en cours. Elle n'était pas allée au boulot, mais elle a été promue. Tout va bien! Oh, comme ça fait bizarre! Oh là! Ah! Mon Dieu! Mais j'avais mis meublé. Oh, mais non, mais on n'a plus rien dans la maison. Il y a un petit souci. Du coup, je vais devoir. La maison, elle est vide. Oh, bah d'accord, lui, il était déjà en train de nager dans la piscine. J'ai même plus mes plantes et tout. Mais non, mais c'est pas possible. Bon, de toute façon, c'est. Bah, je sais pas. Voilà, oh, c'est les risques du métier. Ah, oh, c'est horrible, la coquille vide, quoi. Oh. Bon, bah, je vais vite réinstaller la maison comme elle l'était, parce que là, c'est pas possible, là, les enfants. Non, mais au secours, tous les meubles, ils sont dans l'inventaire du foyer. Bah oui, mais là, je vais pas m'amuser à tout remettre, hein, ça, j'en ai pour des années.
Bah donc en fait je vais vendre et puis je vais réinstaller la maison comme elle l'était. Heureusement que je l'avais sauvegardée parce que là c'est plus possible. Ok, la maison est revenue. Enfin, elle est revenue, elle est bien meublée, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Alors au niveau budget, j'ai dû leur rajouter de l'argent parce que vendre les trucs un à un dans le truc dans le foyer, ça va juste prendre 10 ans. En plus mon PC RAM, alors pour changer, hein, vous connaissez mon... le jeu RAM en fait. Et ça va pas être possible. Donc de toute façon, avant qu'ils partent à Soulani, que je fasse ce déménagement à Soulani là, ils étaient à un budget de 113 083 sinflouz. Donc là ils en ont moins. C'est-à-dire que je vais repartir sur cette base de 105 000 à peu près, parce que bon. Bon, ils étaient à Soulan, ils avaient moins d'argent, mais comme je vous ai dit, j'ai fait un micmac pour qu'ils emménagent dans une maison. En fait, je vais prendre mon temps à part un épisode pour vendre tout ce qu'ils ont dans leur inventaire de foyer. Et puis, je vais revenir à peu près à une somme de 105 000 en fait. Mais là, comme ça, maintenant, je n'ai pas le temps de le faire. Oh, ça fait plaisir de revoir la maison. Regardez, il y a des ordures et tout. Ah, oh, c'est cool! Nous avons nos petits trucs, tout ça. Normalement, je l'ai fait, celui de Gigi et Florent. Faut juste que je l'intègre au CC et je ne sais plus comment on fait parce que ça fait un bout de temps. Donc, normalement, il y a un tableau, mais il faut que je le fasse. Ma belle Hélène, tu vas virer ce monsieur parce qu'on ne le veut pas en tant que majordome. Donc, tu vas le licencier. Comme ça, tout de suite. Hein, on va pas non plus attendre 10 ans. Il fait toujours, c'est toujours la canicule aussi. Voilà, on retourne à la maison. Ouais, voilà, on peut dire que les filles sont tristes parce que maintenant elles rentrent à Newcrest et elles sont pas contentes, contentes. Bah écoute Lionel, tu peux aller aux toilettes. Voilà, enfin faites votre vie maintenant. Vous êtes rentrés. Voilà. C'est comme ça. Et toi, qu'est-ce qui se passe? T'es bloqué? Non, ça va. Oh bah alors, ça va plus. Se plaint de problèmes. Il y en a une qui pleure dans le placard, c'est tellement logique. Bah tu y a rien à manger? Ouais, si, y a des trucs à manger. Tiens, tu vas manger ça, Laura. Au lieu de te plaindre là. Bon bah voilà, hein, nous revoilà à notre bonne vieille maison. De toute façon, je pense que je vais essayer de faire des petites modifications dans la maison aussi en attendant. Parce que de toute façon, ça va être les années 2000, hein. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Parce que... Oh, la trace de maillot de bain. Parce qu'elle va m'agrandir et que j'ai pas envie. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc, Hélène a été promue, on n'a pas regardé. Alors, elle a été promue bonne raconteuse d'histoire. Elle gagnera désormais 48 simflouz de plus par heure, soit 115 simflouz de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus 1406 simflouz. Les prix, vous avez du talent. Et voilà, et elle travaillera, nous sommes jeudi, donc vendredi, elle travaillera de 17 à minuit. Ah, oh, c'est chiant ça. Bah, je dis ça parce que ce sera l'anniversaire d'Eva, donc en fait, ce serait dommage. Mais bon, hein, elle prendra un jour de congé pour prolonger les vacances quand les gamins sont retournés à l'école, quoi. C'est bien, ma petite. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je t'ai vu! Lionel! Ah non! Tu répares la maison, dis donc. C'est pas parce qu'il n'y a plus de bambins qu'il faut que tu fasses des conneries, hein. Quand même! Alors, tes petits-enfants, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, les petits-enfants, mon Dieu. Oh, ben, ça va arriver avec Eva. Hein. On va déjà y être, hein, donc ça va être triste, mais c'est comme ça. Tu vas enlacer ta sœur? Non, vous voulez pas vous enlacer? Vous pouvez pas vous faire des câlins? Hop, tu vas aller dormir où, toi? Mais non, c'est plus ça ta chambre. Eh, on avait changé quand même, hein. Ça, c'est ton lit. Esther, c'est son lit ici. Et puis, bah, les filles, de toute façon, change que je vais changer les chambres. Tu peux venir là, réclamer. Et Anaïs, tu vas réclamer ici. Voilà, je sais plus, c'est... Ouais, c'était son lit ici, d'ailleurs, je crois. Donc ça va pour l'instant. Et l'Hélène et les petits Lionel et l'Hélène, ils vont faire crac-crac dans leur petit lit d'avant, comme d'habitude, hein. Ah là là. Ça fait bizarre de rentrer comme ça à la maison, ne vous trouvez pas? Hey. Ouais. Ah, bah c'est cool. Voilà. Ils vont nous faire un petit crac-crac de retrouvailles à Newcrest. Pendant que toutes les filles sont en train de discuter là. Allez vous coucher les filles, là, 22 h 30, demain il y a école, hein. C'est la rentrée! Oh la vache! Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non!
Mais voilà, tiens, va te faire des paroles d'encouragement ici. Esther, eh bien, tu peux aller aux toilettes. Toi, bah écoute, mets-toi de la crème solaire, j'ai envie de dire. Mets-toi de l'aloe vera, je sais pas. Je sais pas, tu vas te donner des paroles d'encouragement aussi. Anaïs, elle fait quoi? Elle enlève la nourriture gâtée, mais tu es une bonne fille, toi. Ah bah vas-y, hein, fais-le, hein. Vas-y. Demain, on essaiera de réengager un majordome. Bon, ce sera peut-être plus Daichi, parce que maintenant qu'on sait qu'il est parti dans la carrière mixologue, eh bien, ce ne sera plus lui qui viendra nous servir, mais bon. Et puis, ben, tu iras dormir. Voilà. Va bien falloir passer à la suite de l'histoire. Toi, tu peux aller te coucher. Toi, tu peux aller te coucher. Et puis, toi aussi, tu peux aller te coucher. Et vous, les enfants, vous n'êtes pas fatigués? Bah écoutez, on est reparti pour un crac-crac alors, hein, ça va pas vous tuer. Et puis moi, ça m'a. Comme ça, je peux vous dire au revoir à tout le monde sur le nouveau crac-crac. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais si, il va aller faire crac-crac. Non, mais ça suffit. À moins que vous voulez faire ça dans le placard. Il y a moyen, hein, le placard, il est dispo. Hein. Oh, qu'ils sont mignons. Oh, yibs! Allez. Les petits crac-crac, le dernier crac-crac des années 90, les enfants! Je ne veux pas. Je ne veux pas, mais je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Bon, et bien sur ce, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Du coup, bah, n'hésitez pas à mettre un petit, quand même, un petit like comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous avez le temps, regardez une petite pub sur YouTube, s'il y en a en tout cas. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des Decade Challenge. Prenez soin de vous. Et à bientôt, salut!